blessure, donc j'ai recommencé il y a 2 semaines à courir. Donc j'ai pas eu l'autorisation pour courir, pour garder du jus pour la semaine prochaine, vu qu'avec Metz on va au Sable d'Olonne pour faire la première manche de division 2. Qu'est-ce que tu ambitionnes? Avec le club, on va essayer de remonter. Donc il y a 4 étapes, on va essayer de remonter en division 1. Et personnellement, déjà prendre du plaisir et essayer de recourir vite comme l'année dernière. Voilà. Qu'est-ce qui te reste à travailler là pour revenir au top? Il faut que je rebosse la course à pied vu que j'ai pas couru pendant 2 mois. Natation et vélo, je pense que j'ai fait des progrès, donc il suffit de retravailler la course à pied pour revenir comme l'année dernière. Quand t'es venu encourager ton père là, qu'est-ce que tu penses de sa prestation? Ouais, j'espère qu'il va mieux courir que nager, mais je pense que ça va bien se passer. C'est son domaine, la course à pied maintenant. Bonjour, Julien Varino, Estriathlon Team de Nancy. Une journée sous le signe de la vitesse, puisqu'il n'y avait que 2000 mètres en natation et 10 km à pied. Difficile en natation, puisque là je nage plus qu'une fois par semaine en ce moment pour préparer du triathlon longue distance, donc le triathlon d'Embrun du 15 août. Donc je travaille beaucoup le vélo cette année au détriment de la natation, et donc du coup impossible de suivre en natation aujourd'hui. Et puis à pied j'ai essayé un peu, mais je voyais que les jeunes sont plus rapides, hein, donc voilà. Mais une belle journée, il n'y a plus qu'à rentrer en vélo puis la journée sera finie. Le parcours, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est un cadre super accueillant parce que c'est nature, il n'y a pas de musique, l'eau est super, l'eau est douce, elle est propre, et c'est toujours un plaisir de venir à temps. Bon. Votre temps, votre chronomètre? J'ai pas pris le temps total, je mets 33-40 en course à pied et puis je dois mettre 28 minutes en natation. 27-28 minutes en natation. Donc c'est de mon niveau, il n'y a pas de soucis. Vous avez rattrapé le coup un petit peu en course à pied? J'ai vu que je suivais pas en natation, donc j'ai laissé partir. Et puis à pied j'ai tenté le coup pendant les 2 premiers tours sur 4. Après j'ai vu que je gagnais 3-4 secondes, donc c'était plus jouable, quoi.
La température de l'eau? Oh, impeccable, on a pas froid, non c'est parfait, c'est une bonne année. Alors, félicitations quand même pour cette deuxième place. Merci. J'ai pris un peu d'avance après la première bouée en natation. Puis après j'ai creusé l'écart et puis j'ai essayé de ne pas me faire attraper Ouais, on sent que tu as rapidement fait la décision, les sensations étaient bonnes. Oui, ça va. Ouais. Bon, tu fais partie de Metz Triathlon, oui. C'est ça? C'était juste une préparation aujourd'hui? Ben oui, je suis venu pour la compétition, mais après oui, c'était plutôt un bon entraînement, on va dire. Comment tu as trouvé le parcours? Le parcours était sympa. Même la natation, la petite sortie de l'eau, c'est toujours bien, parce que ça coupe un peu la distance. Puis après, le parcours était bien, on pouvait bien courir dessus, c'était bien. Tu es content des temps que tu as réalisés? Je sais pas trop encore, mais oui. Bon, en course à pied, t'as pu conserver ton avance sans être inquiété ou tu as vu les autres fondre un petit peu sur toi? Moi j'avais toujours peur de me faire attraper, je voyais pas les autres, du coup j'ai accéléré progressivement. Puis après même pour l'entraînement, c'est toujours mieux d'accélérer progressivement. Bon, t'es junior forcément? Non, je suis senior. T'es senior? Qu'est-ce qui te reste à travailler là pour être encore meilleur? Je pense en natation. Et puis un peu partout, mais surtout la transition, parce que j'ai un peu raté ma transition. Bon, le temps était idéal, là. Il fait une vingtaine de degrés. Oui, c'était bien, il a pas fait trop chaud, on s'est pas pris la pluie, du coup c'était bien. Donc tu connais Thomas Sayer, tu fais partie de son club alors? Oui. Est-ce que tu vas toi aussi au Stade de Lonne et à La Rochelle? Comment ça se passe? Non, moi je suis pas le niveau pour. Quelles sont tes prochaines compétitions? La semaine prochaine à côté de Nancy, à Messin, je sais pas trop comment on dit. Voilà.